après qu'il ait traversé l'Europe et la Russie, et après son arrivée triomphale à Vladivostok, où il sera interviewé par la télé locale, Christian embarque pour le continent américain. Christian Chassagne, ce moniteur de ski de Montchavin-les-Coches, qui a décidé de réaliser un tour du monde pour sa femme Fulda et toutes les personnes atteintes de la maladie de Charcot. Là, je suis donc joueur de la Georgia Street à Vancouver. Nous sommes le lundi 13 juillet, donc la veille de la fête nationale française. À Vancouver, il est accueilli par Radio-Canada pour une émission spéciale. C'était juste pour vous donner quelques images des locaux. Vous vous souvenez probablement du Ice Bucket Challenge, le défi du seau d'eau glacée qui a fait le tour du monde l'été dernier. Mais vous souvenez-vous de la cause qui se cachait derrière? C'était la maladie de Charcot ou la maladie de Lou Gehrig. Un an plus tard, et malgré tout le tapage créé sur les réseaux sociaux, la recherche n'a pas beaucoup évolué. J'ai rencontré un peu plus tôt aujourd'hui un Français, Christian Chassagne, qui s'est lancé dans un tour du monde à moto pour tenter de sensibiliser sur cette maladie neurologique, une maladie qui touche en moyenne 2 personnes sur 100 000 par an à travers le monde. Christian Chassagne, bonjour. Merci de faire escale par notre plateau à Vancouver. Vous êtes sur la route depuis 62 jours. Vous avez parcouru 18 000 km. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure? Eh bien, je suis parti. Pour moi, c'était faire un tour du monde en moto, donc un combat à ma manière, pour donner un peu d'espoir à nos malades de la SLA en France, c'est-à-dire la sclérose latérale amyotrophique, ou chez vous, on dit plutôt la maladie de Lou Gehrig. Chez nous, c'est la maladie de Charcot. Ces malades, malheureusement, n'ont aucun espoir de survie, et le traitement actuel ne suffit pas à leur donner un espoir de survie conséquent. Donc j'ai voulu partir autour du monde pour expliquer au monde entier que cette maladie, on devait en parler pour la faire connaître et peut-être éventuellement générer de l'argent pour créer une cellule de recherche en vue d'un traitement éventuel. J'ai rencontré plein de gens, sachant que suivant les pays où je vais, la maladie est connue ou pas. Donc il y a des pays qui ne connaissent pas du tout la maladie. Pas du tout, mais rien. En Russie, ils ne connaissent pas du tout la maladie. Ah ouais. Honte au Canada. Tous les gens avec qui j'ai parlé, ils connaissent Lou Gehrig's disease. Mm-hmm. Ils connaissent, ils ont entendu parler. Et puis en plus, la communication de cette maladie est beaucoup plus importante ici. De toute façon, l'Amérique et le Canada sont les deux pays, enfin les États-Unis et le Canada sont les pays où on communique le plus sur cette maladie. Alors vous, c'est votre femme qui a été diagnostiquée en 2010. Votre vie depuis a complètement basculé. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble le quotidien d'une famille qui a un membre atteint de cette maladie? Eh bien, oui, tout à fait. Donc on s'est aperçu effectivement que quelque chose n'allait pas après 3 jours d'examen complet diagnostiqué cette maladie. Alors la première chose c'est le ciel qui vous tombe sur la tête parce que la première chose qu'on fait c'est qu'on ne connaît pas du tout cette maladie, on ne sait pas d'où ça vient et on va sur le net pour savoir ce qu'il en est. Et là, catastrophe, le net nous apprend que c'est une maladie malheureusement mortelle et les gens n'en survivent qu'entre 2 et 5 ans. Alors, la déprime que l'on peut comprendre vis-à-vis de mon épouse qui était professeure de danse, donc qui était quelqu'un de très dynamique, et l'évolution se faisant assez rapidement au départ, il a fallu mettre en place donc, un appartement adapté. Donc elle a commencé à marcher avec un déambulateur, ensuite c'était le fauteuil, ensuite elle n'a plus pu marcher. Donc elle est alitée et puis dans un fauteuil électrique, il a fallu mettre en place des appareils spécifiques dans la salle de bain, dans les toilettes. Organiser toute une équipe paramédicale autour d'elle pour l'aider au quotidien, donc la toilette, le manger. Comment est-ce que vous communiquez avec elle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, malheureusement, elle ne peut plus parler pratiquement, sauf quand elle est un petit peu reposée, elle arrive à articuler quelques lettres. Alors au début, on avait un abécédaire et on lui donnait les lettres avec un petit crayon, elle faisait oui de la tête et donc à partir de là, nous on écrivait les mots. Et j'ai pu bénéficier d'un ordinateur spécial qui est à reconnaissance visuelle, qui coûte en France 18 000 euros, et qui permet à la personne qui l'utilise, qui a été réglée pour ça, uniquement avec ses yeux, eh bien de travailler, de décrire des mots, et après faire parler l'ordinateur. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de courage, et merci beaucoup pour votre témoignage ce soir. Vous avez un site internet, je crois, sur lequel on peut aller consulter votre... Au Canada, Christian est bien déterminé à trouver du soutien. Nous sommes le samedi 25 juillet, je suis sur près de Granville Highland.
juste près de la marina des Vieux-Grémonts qui est derrière moi, où j'attends donc Valentin. Valentin est un Français qui vit ici depuis un certain nombre d'années et qui fait partie du réseau santé de Colombie-Britannique pour les francophones. Voilà, donc j'ai rendez-vous avec lui à midi pour préparer un meeting concernant la maladie de Charcot, sur mon voyage et sur les solutions à apporter donc à la recherche. De quelle manière peut-on faire avancer la recherche? Il va inviter donc toutes les personnes francophones qu'il pourra donc trouver en cette période de l'année pour qu'on puisse discuter un petit peu de tout ce qui se passe ici, l'état des lieux, de quelle manière sont soignés les malades au Canada, en particulier donc en Colombie-Britannique. Moi je ferai de mon côté un point sur l'évolution donc de la recherche avec les données que j'ai, la fondation Thierry Latran, les patients Charcot et puis le collectif Solidarité Charcot. Voilà, donc on va préparer ça. Il souhaiterait que je sois avec ma moto pour donner un impact sur, sur le visuel de la conférence. La moto n'arrivera que le 9 août, donc si on doit faire ça avec ma moto, ce sera entre le 11 et le 12, puisqu'il faut que je la dédouane. Voilà, donc j'avais dit que je vous présenterais donc Benjamin, puisque j'en ai parlé ce matin lors de mon premier interview sans pouvoir vous le montrer puisqu'il n'était pas arrivé. Voilà, c'est le jeune homme à côté de moi qui est en train de barrer d'une manière magnifique son catamaran de 23 mètres de long. Là. On va faire le tour de l'île de Vancouver. Il y en a plusieurs des îles, non? Le Vancouver, il faut 15 jours, je crois. Voilà, 15 jours. Non, mais comme il est, comme j'ai Victor derrière la caméra qui lui rame bien, on va mettre que 3 heures. C'est un vieux bateau qui a été refait à neuf. Et donc, il permet à Benjamin et à sa famille de faire quelques croisières pendant les week-ends. Alors, effectivement, le confort est un peu spartiate, mais c'est ça la vie de marin. Voilà, exactement. Le transport de la moto de Christian jusqu'au Canada a malheureusement été retardé. Mais il ne perd pas son temps et en profite pour découvrir toute la diversité culturelle du pays, notamment en se rendant à un festival dédié aux nouveaux arrivants en passe de devenir canadien. Miel.
Nous souhaitons donc vous demander de faire un don pour la SLA, puisque, comme vous pouvez le voir, notre combat, c'est la SLA. Pendant ce temps en France, nous retrouvons les chercheurs de l'Institut pour la Recherche sur le cerveau et la moelle épinière, l'ICM qui participe à l'opération Ice Bucket Challenge 2015. L'ICM a été créé en 2011 et avec plusieurs équipes qui sont venues sur le site, et donc au fur et à mesure il y a de nouvelles équipes qui viennent nous rejoindre. Donc notre équipe ici sur la SLA en fait a été créée en janvier 2014. Alors l'ICM a la particularité, il travaille vraiment sur le cerveau et la moelle épinière, et toute la recherche est vraiment dédiée au cerveau et à la moelle épinière. Alors c'est depuis le développement, aussi bien dans les conditions normales que dans les conditions pathologiques, jusque chez l'adulte, et donc les maladies neurodégénératives. Il y a toute cette recherche, ces chercheurs qui travaillent sur ces nombreuses maladies ou même le cerveau dans l'état normal. Donc c'est vrai que ceci nous permet de collaborer avec des chercheurs qui travaillent sur autre chose. Et ça nous permet, en apprenant ce qui se passe dans les autres maladies ou ce qui se passe dans les conditions normales, de mieux appréhender ce qui se passe pour nous dans la SLA. Donc c'est vrai que c'est un environnement très favorable pour la SLA ou sclérose latérale amyotrophique, donc aussi en France connue sous le nom de maladie de Charcot. C'est la maladie majeure des motoneurones en fait chez l'adulte. Donc du motoneurone, ça veut dire le neurone moteur qui est soit dans le cerveau, dans le cortex, soit dans la moelle épinière, et qui va se connecter aux muscles. Donc lorsque cette cellule, le motoneurone, le neurone moteur meurt, les muscles s'atrophient petit à petit, et donc les patients qui sont atteints de cette maladie vont progressivement devenir paralysés. Donc ce qu'il y a de particulier aussi avec cette maladie, c'est que non seulement elle est très invalidante, mais elle est aussi fatale. Dans d'autres maladies, il peut y avoir beaucoup d'études qui sont faites de manière dite longitudinale, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe chez le patient, puis ensuite on revient chez le patient, on peut reprendre par exemple des cellules sanguines pour aller voir ce qui se passe. Dans la SLA, c'est plus délicat parce que déjà le patient peut rapidement décliné. Les patients vont décéder en moyenne, on dit, de 2 à 5 ans après le début de la maladie. Donc c'est vrai que pour cela, c'est une maladie qui est vraiment atroce. Et c'est aussi malheureusement pour cela qu'elle est mal connue, parce que lorsqu'une personne est atteinte de cette maladie, malheureusement, elle n'a pas le temps de faire connaître sa maladie. On la considère comme une maladie rare, et ça n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de patients qui sont atteints par cette maladie. En France, on considère qu'en ce moment, il y a environ 8000 patients qui sont atteints de SLA. Mais voilà, même s'il y a 1000 nouveaux cas, on considère par an, c'est bien sûr toutes des questions de statistiques et d'avoir suffisamment de patients dans l'étude. Mais voilà, ça rend aussi l'étude de cette maladie difficile pour ça. Pour frais espoir, il y a deux choses. Il y a une chose que je pense est extrêmement importante, parce que la maladie est tellement grave, parce que la maladie est tellement mal tenue aussi scientifiquement, de vraiment mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de la maladie, les mécanismes qui produisent la mort de ces neurones dans la moelle épinière, pourquoi ils meurent. Alors moi je suis plutôt un chercheur fondamental, alors je veux comprendre les mécanismes. J'y crois fortement que si on comprend mieux, même si on comprend juste un peu comment, pourquoi les motoneurones meurent, on va trouver automatiquement des idées, on va découvrir des idées, comment on peut peut-être ralentir cette progression, ou empêcher même peut-être n'importe quelle cellule, n'importe quel neurone qui a un problème. Elle va réagir à ce problème. C'est comme s'il va crier, soit crier « aide, aide-moi, fais quelque chose ». Et il y a beaucoup de cellules autour de ces motoneurones qui réagissent à ce problème. Mais peut-être cette réaction du système immunitaire est trop forte et va aussi commencer à tuer des neurones qui ne sont pas encore tellement atteints. Alors on peut peut-être les diminuer pour empêcher que les cellules autour réagissent trop fort. Et ça, c'est quelque chose
que je m'intéresse, que j'ai travaillé sur. La nouvelle technologie qui est celle des cellules souches pluripotentes induites humaines, qu'on appelle IPS. Et ça, ça a été une révolution en fait dans le domaine des cellules souches pluripotentes parce qu'elles ont été découvertes, on va dire, en 2007, et c'est le prix Nobel 2012 de médecine de Shinya Yamanaka, qui a montré qu'on pouvait pour la première fois prendre des cellules de peau, de n'importe qui d'un humain, et les transformer en cellules pluripotentes. Donc à partir d'une cellule de peau, on va pouvoir faire, en théorie, toutes les cellules de l'organisme. Et ça, ça a été vraiment révolutionnaire, notamment pour la SLA, où il y a un modèle murin en fait, qui représente vraiment la maladie humaine. Et comme la SLA, c'est une maladie très hétérogène, en fait, cette technologie nous permet maintenant justement de s'intéresser aux formes familiales. On peut en fait avoir, grâce à cette technologie, en culture des motoneurones de patients avec différentes formes de SLA, donc des différentes mutations qui existent, et également les formes pour lesquelles on ne connaît pas la mutation, en fait, l'origine chez les patients qu'on appelle sporadiques, en fait. Donc cet outil en fait est complémentaire de tout ce qu'on peut avoir comme modèle qu'on avait jusque-là. Actuellement, mon travail de recherche, c'est de générer ces fameuses cellules qu'on appelle IPS à partir de différents patients. Donc je bénéficie en fait à l'ICM et sur le site de la Salpêtrière vraiment un environnement parfait pour faire cela, puisque il y a beaucoup de patients qui sont suivis ici, à qui on peut proposer des biopsies de peau pour avoir leurs fibroblastes. Et ça, c'est banqué ensuite, donc on a une banque de fibroblastes de différents patients et on peut ensuite générer des motoneurones pour les étudier, les comparer, chercher des défauts communs en fait. L'objectif étant de pouvoir comparer les différentes formes de SLA avec les différentes mutations, voir s'il y a des choses communes ou différentes entre ces différents types de motoneurones et dans la perspective ensuite de trouver peut-être un peu à long terme, mais en tout cas, on y travaille, on ne peut jamais définir le délai, en fait, d'espérer trouver une molécule qui pourra corriger un phénotype ou un autre sur ces cellules. Un obstacle majeur aussi dans cette recherche, c'est que la SLA est très peu connue en France, dans d'autres pays, donc par exemple des pays anglo-saxons, aux États-Unis. C'est une maladie qui est très connue parce qu'elle a été beaucoup médiatisée parce qu'un des baseballeurs les plus connus étant Lou Gehrig, a été atteint de cette maladie. Donc aux États-Unis, tout le monde connaît cette maladie, et lorsque on discute avec des personnes et dans la rue et qui nous demandent ce qu'on fait et qu'on leur dit qu'on travaille sur la maladie de Lou Gehrig, voilà, ils nous encouragent, on nous dit que c'est vraiment superbe de travailler sur cette maladie et c'est très bien ce qu'on fait. Lorsqu'on dit la même chose en France, en fait, les personnes ne savent même pas ce qu'est la sclérose latérale amyotrophique. En fait, ils la confondent avec d'autres maladies et ils ne savent pas quelle est cette maladie terrible. C'est vrai que le domaine de la SLA, c'est pas très connu en France. J'avais discuté une fois avec une personne qui m'avait dit, mais quand on nous annonce que c'est la SLA, on ne sait pas ce que c'est, en fait. On nous dit SLA, on nous dit sclérose latérale amyotrophique, mais ça nous tombe dessus. Et en fait, il y a certains patients, ils sont en colère, en fait, parce que ils se disent que en France, en tout cas, c'est pas connu. Or, c'est une maladie qui est grave, dans laquelle il n'y a pas de traitement. Et c'est vraiment, enfin, nous en tant que chercheurs, on a besoin que cette maladie soit plus connue du grand public. Il y a un côté très positif en France qui est qu'il y a un accent vraiment mis sur les maladies rares. Et il y a beaucoup de fonds pour la recherche pour les maladies rares, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Mais en fait, lorsqu'on travaille sur la SLA, on n'est pas vraiment considéré comme travaillant sur une maladie rare. Et quand on travaille sur la SLA, on sait que c'est une maladie neurodégénérative, mais on n'est pas considéré comme une des maladies neurodégénératives majeures. Donc en fait, c'est difficile de trouver sa place lorsqu'on travaille sur la SLA. Pour faire connaître, il faut que la maladie soit connue. Aussi, il faut qu'on ait des fonds. Trouver du soutien et des fonds pour la recherche, c'est bien là l'objectif de Christian avec ce tour du monde de l'espoir. Ses partenaires, les Papillons de Charcot, la Fondation Thierry Latran, Andy Évasion ou encore la Cyclo-Cœur, œuvrent au quotidien aux côtés des malades ou travaillent à la collecte de moyens pour la recherche, mais aussi à l'intégration des personnes handicapées, ce qui n'est pas toujours une chose évidente. Il s'agit bien là, comme par exemple pour cet atelier pour les enfants sur le handicap, de changer le regard qu'on porte sur les personnes handicapées.
Christian à faire le tour de la Terre. J'espère que tu as rencontré déjà beaucoup de gens qui sont touchés de cette maladie et bon courage. Maintenant que Christian a retrouvé sa moto, il va pouvoir reprendre la route, direction les États-Unis et le Mexique, via Los Angeles, car il sait bien que la route est encore longue pour faire reconnaître ce terrible fléau, qui est la maladie de Charcot.